J'espère qu'il fera en sorte que les choses de ce monde tournent franchement autrement. Toi, tu n'as pas changé, Todou, hein. Anticlérical et libre penseur pour l'éternité. Ah. Amen. Mais ne me parle pas de malheur. Je ne me vois pas errer comme cela pour l'éternité. Voilà un athée qui nous parle de l'éternité maintenant. Oh. J'ai l'air de te railler comme ça, mais confidence pour confidence, je ne suis pas loin de ressentir la même chose que toi. Comme à son pays bien-aimé. Le pays bien-aimé, je l'ai guère reconnu. Moi non plus, j'avoue. La mer et la montagne sont toujours là, pourtant.
Et la mer, la plaine, la montagne, le ciel, le soleil, alors sinon... Tu sais, cette mélodie, la nuit, je m'en souviens très bien. C'était touchant ce temps-là de voir à quel point tu en étais fier. Nous étions en août. Je venais tout juste de rentrer à la maison pour prendre quelques jours de repos et nous nous étions croisés comme aujourd'hui. Tu m'avais entraîné de force chez toi pour me jouer ce que tu venais de composer. J'avais chanté. Ah, je revois très bien l'image de ce jeune homme au piano, que tu étais enthousiaste et si romantique. Oh, oh, quel sot j'étais, tu veux dire. Tout de même, tu y vas un peu fort, Todou. Bon, d'accord, tu jouais du violon, mais pas de piano, ni de l'orgue. Dans ce cas, comment assurer le service liturgique à la cathédrale et enseigner le piano à toutes ces jeunes filles de bonne famille? Tu vois, nous étions 6 enfants à la maison et nous avons tous fait de la musique. Moi seul, en effet, mon métier. Mon père, qui était un homme infiniment bon pour nous, était aussi un professeur intransigeant. Et pour moi, qui présentait quelques dispositions, il ne me laissait rien passer. Eh bien, tu peux lui en être d'autant plus reconnaissant. L'indulgence d'un maître n'a jamais permis à ses élèves de l'égaler, voire le surpasser. Je ne l'ai jamais égalé, encore moins surpassé. Mais bon, j'ai essayé. Disons que dans certains domaines, j'ai fait de bon mieux. Mais tu sais ce que c'est, toi, l'intransigeance. Monsieur le professeur du Conservatoire de Paris. Sais-tu que dans ce domaine, tu avais presque de quoi effrayer ceux qui étaient affectés dans ta classe? À tel point que cette réputation était de notoriété jusqu'à l'intérieur des remparts de la cité de Perpignan. Oh, je trouve cela un peu fort. Allez, maestro, pour le rachat de mes péchés, jouez-nous un peu de la musique liturgique de Monsieur Petit, maître de chapelle et organiste de la cathédrale basilique mineure Saint-Jean-Baptiste de la très fidèle ville de Perpignan. Wow.
finalement, ton père a peut-être eu tort. Tu penses que je ne méritais pas sa confiance? Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'il aurait été préférable pour toi d'aller te frotter à la concurrence des garçons de ta génération et de recevoir les enseignements de maîtres comme Ambroise Thomas, Bazin, Reber. Mais en admettant que je fus de taille, j'aurais pu très bien, moi aussi, me présenter au Grand Prix de Rome en 1869. Tu aurais eu un rival de plus. Mais tu viens de même de me dire que tu aurais été bien en difficulté pour mettre en musique l'histoire de ma Françoise de Rimini. Je dis ça, moi? Oui, je dis ça. Bon, inutile de refaire une histoire qui est déjà écrite, hein, et dont le papier a eu largement le temps de jaunir. Ah, dire que tu t'es fait connaître à ce moment-là, alors que moi, j'en étais la tête dans les étoiles à écrire à la plume sur des cahiers quelques petites mélodies un peu suaves. Dieu verse un grand flot, son amour.
jamais ressenti ce sentiment de l'âme que ton existence t'échappait, que les beaux jours avaient fui et n'étaient plus que souvenirs? T'a-t-il suffi de croire à ton bon Dieu pour y échapper? Pas tout à fait, je te le concède. Mais lorsque l'on est artiste, et musicien en particulier, mettre en musique cette mélancolie avec tout son art, sa science, même si elle n'est pas très forte, n'était-ce pas le meilleur moyen de la surmonter? Gagner du terrain sur moi. Écrire cette mélodie m'avait rassuré. Paradoxalement, mettre en musique ce triste sentiment qui m'envahissait m'avait permis de l'annihiler. Et puis, rapidement, d'autres soucis pointaient leur nez d'outre-Rhin. La déclaration de guerre ne tarda pas longtemps. Non, pas ça! Thank you.
La vengeance, on l'a eue. Et l'Alsace, et la Lorraine. Mais combien de pères, combien de veuves et d'orphelins, combien de mutilés, d'estropiés, de gazés. L'on devrait y songer lorsque l'on écrit des chants patriotiques. N'est-il pas plus facile d'envoyer les autres au combat que d'y participer soi-même? Certes, mais s'il y a une guerre à laquelle nous aurions dû participer, c'était celle de 70, pas celle-là. En 14, que faire d'autre qu'exprimer son patriotisme? Ah, nous étions bien naïfs, tous. Au début, ce carnage était inimaginable. Il y a tant de choses inimaginables qui surviennent pour nous compliquer l'existence, et même au-delà. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, ce n'est pas pensable. À quel propos déjà? Eh bien, d'être encore vivant après sa mort. Oui, ce n'est pas pensable. C'est inimaginable, car enfin, même si je crois en Dieu et en la résurrection des âmes, rien ne pouvait me laisser imaginer que tout se passerait comme ça. Mais petit, ce n'est pas comme cela que cela se passe. Ce ne sont ni Dieu, ni diable, ni une fée, ou un quelconque magicien qui sont la cause de notre retour. Nous sommes seulement devenus des personnages, une illusion d'un soir. Et pas plus vivant que la statue de François Arago ou de celle de Hyacinthe Rigaud. Alors nous ne sommes pas mieux lotis que le carrosse de Cendrillon à la fin du bal? Ouais. Et sitôt que le charme sera rompu, que minuit sonnera, nous disparaîtrons dans un nuage de fumée, ou alors tiens, nous nous transformerons en citrouille. Et à ton avis, est-ce que tu crois qu'il reste encore un petit peu de temps et que l'on puisse écouter un peu de musique? Peut-être. Demande-le ce que tu souhaiterais encore entendre. Avec un peu de chance, hein. Et si tu n'y réfléchis pas trop longtemps. C'est tout vu. Aujourd'hui, demain, glorifier la paix ne peut être que saint. La mémoire collective est parfois si fragile. Il sera toujours d'actualité de chanter les valeurs de la liberté et de la fraternité. Pour les gens d'aujourd'hui, leurs enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Adieu, Antonin. Adeo, petit.